Ok, les gars, petite précision. Avant que la vidéo commence, je tenais à m'excuser. Tout simplement parce qu'en fait, je n'avais pas vu mon planning. Normalement, la première vidéo du simulation devait sortir le jeudi, et ainsi de suite jusqu'à dimanche. Mais du coup, j'ai oublié. C'était jeudi que je devais faire la première vidéo au lieu de vendredi. Du coup, aujourd'hui, il y aura deux vidéos à la place d'une. Et dimanche aussi, parce qu'il y aura en plus de la vidéo. Final à l'événement Fortnite. Du coup, voilà, je vous dérange pas plus. Bon visionnage. Salut, c'est la session, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nickel aujourd'hui, les gars. Deuxième simulation de LNSL. C'est le match pour le titre des États-Unis entre Austin Theory contre Mustafa Ali. Donc, les gars, on va se retrouver dans le match. A tout de suite. Ok, les gars, on est déjà dans le match. Et voici. Greg Hamilton qui présente le match. Donc ça va être un match pour le titre des États-Unis. Et voici le challenger, Mustafa Ali, qui est là. Qui maintenant s'appelle juste Ali. Comme Theory, mais il s'appelle que Theory maintenant. C'est plus Austin Theory. Et encore une fois, j'ai oublié de me mettre pas en jouant. Du coup, il y a un truc intervenir là. Que je m'enlève. Et là, c'est Ali. Yeah, la ligne. Donc là, voilà, qui est déjà arrivé. Retribution, attaquant superstars. Remember Corey the Knight? They destroyed and then chased us out of the performance center. Voici Ali, le challenger pour le titre des États-Unis, qui n'a jamais gagné. Ça va être une bonne opportunité. Franchement, il y a une seule. Je pense que même s'il n'y aura pas Roman Reigns, ça va être un bon pay-per-view. Du moins, j'espère. Et il y aura non plus le saut. C'est un petit peu chiant, mais vas-y. Et donc, voici les gars. Austin Theory. Bon, moi j'ai l'ancienne musique qu'il a, mais vous, au montage, vous aurez la musique qu'il a maintenant. Moi j'ai l'ancienne. Et donc là, voilà. Austin Theory, le plus jeune champion des États-Unis de l'histoire de la WWE. Un record qui détient. Depuis un match à Monday Night Raw contre Finn Balor qu'il a gagné après une blessure au genou de Finn Balor. Et depuis, ils n'ont jamais fait la revanche vu que maintenant Austin Theory est dans sa rivalité avec Ali et que Finn Balor est avec AJ Styles et Liv Morgan pour combattre The Judgment Day. En vrai, ils auraient pu quand même faire un match triple threat entre Finn Balor pour avoir sa revanche contre Ali et Theory. Donc là, voilà Theory qui est arrivé au ring. Voici la présentation. Ça va être un match pour le championnat des États-Unis. Introducing the challenger. Voici le challenger Chicago, Illinois. De Chicago, Illinois. C'est Mustafa Ali. Mustafa Ali. Et voici le champion. And introducing the champion from Atlanta, Georgia. De Atlanta, Georgia. 220 pounds. Et c'est le champion des États-Unis, le plus jeune du monde, Theory. Donc là, voilà. En vrai, j'avoue, je préférais quand il s'appelait juste Austin Theory, parce que juste Theory, c'est un peu nul. On va se le cacher, hein. Mais vas-y. L'arbitre qui va brandir cette ceinture. Et à partir de là, c'est la guerre. Ok, le match peut commencer. Faut juste que je règle un truc. Hop. Assigner ma net. Promis, pour la prochaine vidéo, je ne vais pas faire la même erreur
de me mettre en joueur. Et donc voici, le match de 3-2-1, c'est parti. Allez, ok, Mustafa Ali, il commence avec un petit coup de pied, un ou deux nouveaux bras, le piano, le drum kick. Ok, Thierry qui se lève. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va traîner. Ali, juste un poteau, non? C'est rentré. Ali avec la poudre. Le DDT. Thierry qui est déjà mal. Petit coup de bras. Le dropkick au niveau du dos. Le genou raté. Thierry qui se lève, juste un pied. Le coup de poing. Un coup de pied rentré. Balayette. Le tombé. 1, 2, dégagement. Ali qui se relève. Qui va vers Sini Baba. Wow, j'allais dire Sini Baba. Ok, j'ai un pied. Il va monter sur la troisième corde. Il va sauter. Descendre de la cuisse. Ok, plongeon. Le DDT. Ok, bien joué. C'est rentré. Thierry, le coup de pied, le coup de poing. Il retourne. Il se lève. Ok. Le coup de pied, le coup de poing. Ah, vas-y, ça. Ah, je peux pas parler, wesh. Ok, maintenant, il y a une breaker. Qu'est-ce qu'il va faire à lui? Il remonte sur la troisième corde. Il va sauter, attention. Ok, il demande à Thierry de se relever. Attention. Oh non, Thierry qui compte. Body slam. Plutôt scoop slam. Ok, position de point. Il prend de l'élan. Le coup de la terre de linge. Et c'est contre un super kick. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a de Mustafa? Je pense que c'est spécial. Et oui. C'est contre. Oh, c'est pas une buster. Oh les amis, la théorie, il est en train de tomber dans le feu. Il a pris le bras, une deuxième fois. Ok. Théorie qui a moins de vie que Mustafa. Il saute. Le splash est tombé. Et un. Et deux. Dégagement, ok. Oh non. Chute Mister S. Il y a un spécial. Attention à Mustapha, qui s'est passé de points, le coup de la barre de linge, qui revient, wesh, avec un petit débreaker, qui a la prise au bras, il va faire le finisher là, non? Exactement. Ah non, non, pas du tout. Je suis un suplex, ok, Mustapha, avec un petit dropkick. Il va soulever Thierry par une powerbomb. Avec la position de point, le metteur plutôt, qui passe à travers les doigts de queue. Ah, mais Thierry, il reste toi. Ok, Mustapha, il a envie d'écraser complètement Thierry. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, mais il a volé le finisher de... Oh ouais... Il a volé le finisher de... De théorie, les gars. C'est une ouf. Ok, il revient de la ring. Mustafa qui aura bientôt un finisher. C'est bon, il l'a. Il a monté sur la troisième corde. Pour son finisher. Oh, c'est rentré. Et là, Thierry. Super kick. Et c'est le finisher. Il aurait dû tomber, peut-être la victoire. Et un. Et deux. Et dégagement. Oh là là. Il a fait gagner, Thierry, là. Ok. Je suis sur le même suplex.
Il relève le bouclier, la souplex, c'est rentré, je crois, ouais. Exactement. German souplex. Il va tomber. Peut-être par un nouveau champion. 1, 2, il a mis le pied. Et toi ? Et Mustafa Ali, nouveau champion. Et l'arbitre n'a pas vu le pied de Thierry sur la gorge. Oh mon dieu, les gars. Wesh. L'arbitre n'a rien vu. Et donc, voici le nouveau champion des États-Unis, Mustafa Ali. Les gars, attends, il n'y a pas de replay, mais on avait dans le moment fort. C'était pas franchement. C'est un truc de ouf. Alors, le dernier replay. Oh non, ils ont pas mis le replay du tombé. Mais wesh. Bah, ils ont pas mis, mais les gars, vous avez vu cette triche? Je suis choqué, les gars. Bon, les gars, malheureusement, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder le pouce bleu. Nous on se retrouve demain pour le match du titre féminin de Raw. C'était Francisco, tout le monde. Peace.